Salut à tous, c'est Tease la Peste. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto sur Black Ops 2, le fameux le Black Ops 2. Un tuto assez simple, vous allez voir, assez rapide, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est pas une fonctionnalité qu'on a forcément l'habitude d'utiliser, puisque c'est la fonctionnalité streaming. Elle est disponible donc dans ce Black Ops 2, directement intégrée dans les menus. Donc vous allez voir que c'est très très simple. Alors je précise auparavant que vous devez avoir associé votre compte YouTube à votre... enfin votre chaîne YouTube plutôt, à votre compte Elite Call of Duty. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous rendre sur le site Call of Duty Elite et vous verrez qu'il y a sur la page d'accueil un lien pour associer votre compte YouTube donc à votre compte Elite. Une fois que vous aurez fait ceci, vous pourrez vous rendre donc sur Black Ops 2. Faire jouer en ligne, par contre c'est pas disponible encore pour les parties publiques, je sais pas du tout si ça va arriver dans le futur. Par contre c'est disponible sur les jeux en ligue, donc vous faites jeu en ligue. Vous allez sur série, moshpit ou championnat, c'est exactement la même chose. Une fois que vous serez dessus, vous voyez que tout en bas, il y a streaming live qui apparaît. Donc vous cliquez dessus, il y a toutes les conditions qui sont à accepter. Bien sûr tout le monde les lit, bref on s'en fout. Accepter, et donc vous arrivez sur cette page. Et donc vous voyez que pour l'instant j'ai pas de streaming, donc vous activez, vous faites avec. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez vu qu'il y a l'adresse de votre streaming live et qui a apparu en dessous avec un lien HTTP, donc youtube.com/dcw9ksc, je sais pas quoi. Et donc pour rendre votre streaming actif, il va falloir que vous recopiez cette adresse URL dans votre navigateur. Donc vous la recopiez en respectant en faisant très attention à respecter les majuscules et les minuscules, parce que s'il y en a dans l'adresse c'est pas pour rien. Donc si vous les respectez pas, l'adresse ne sera pas valable, vous pourrez pas vous connecter dessus. Et donc une fois que vous serez sur cette page, ça va activer votre streaming. Et à partir de ce moment là, tous les gens qui auront cette adresse que vous avez recopiée précédemment dans votre navigateur pourront suivre votre partie en direct. Donc votre partie, ça comprend pas seulement tout ce qui est dans les jeux, ça comprend aussi les menus, etc. Ça stream vraiment tout votre écran. Et bien sûr, si vous avez associé votre compte Facebook à votre compte PlayStation Network, vous pourrez aussi partager le lien, et donc si quelqu'un clique, ça activera aussi votre streaming. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide, hein, vous avez vu pour une fois, vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un tuto sur le mode studio certainement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas le cas. Je vous annonce aussi que je vais bientôt dépasser les 200 abonnés si c'est pas déjà fait. Donc comme je vous l'avais promis, il y aura très prochainement un concours pour gagner un Cronus Device. Donc je vous invite à surveiller tout ça et surtout continuer à faire partager la chaîne et puis la faire vivre et surtout m'envoyer des messages. Allez, à bientôt, ciao !